Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo et cette vidéo sera le tag. Le tag de qui de vous deux? Alors si vous ne connaissez pas ce tag, je vais vous expliquer, on va dire, le principe. Oui, ce tag n'est pas connu, hein. On est d'accord, pas tout le monde le connaît. Et voilà, alors je vais vous expliquer les règles. Alors, à chaque fois, j'ai encore ma petite boîte. Ma petite boîte où il y a les papiers. J'en vais en piocher deux, cette fois. Deux, pas trois. Pas comme le tag garder, vendre ou tuer. Voilà, je vais juste en piocher deux. Et j'ai pas prévu ça, mais en fait, par exemple, dans ma tête, j'ai enregistré des mots. Et je vais dire, je sais pas, qui des deux est le plus gentil, qui des deux a ce caractère, voilà, etc. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on commence tout de suite. Alors, je vais piocher les papiers. Et il faut savoir qu'il y aura quand même pas mal de tirages. Je regarde pas. Alors, on commence avec Wonderfly et Blue Betty. Mais non, je fais une jeu. Alors, j'ai pas laissé de place, mais voilà. Alors, Wonderfraid et Blue Body qui est ici. Voilà. Alors, lequel des deux est le plus gentil? Alors, ça, je dirais plus que c'est Blue Body qui est plus gentil. Parce que Blue Betty, alors, je lui ai donné un caractère qu'il était calme, que c'était un cheval plutôt de débutant. Quand Wonderfred, lui, il est plus, on va dire, tonique. Blue Betty, il est plus chevaux de débutant, tranquille, gentil, il aime bien se faire bosser. Voilà, c'est le pépère tout calme, la mémère plutôt, parce que c'est une fille. Et on va dire Wonderfred, c'est plus... Monsieur tonique partout, on court partout, on donne des coups quelquefois. Il est très joueur. Mais entre les deux, lequel est le plus gentil? Les deux, ils sont gentils, mais je dirais plus que c'est le loulou Blue Betty. Alors, deuxième tirage. Ice Tea et Ace Boy. Mince. Voilà. Alors, Ice Tea et Ice Boy, lequel est le plus coquin? Je dirais que c'est Ice Boy. Parce que Ice Boy, il fait toujours des bêtises. Par exemple, il donne des coups de cul dans les copains. Il a déjà essayé à casser les clôtures. Il a donné des coups au cavalier. Voilà quoi, c'est le plus coquin, on va dire. Et surtout, il adore galoper, il adore embarquer les gens. Que Ice Tea, lui, c'est le pépère tout tranquille, gentil. Tout ça, tout le contraire, on va dire. Et pas du tout coquin et tout ça. Voilà. Alors, troisième tirage. Diamond Horse et Galaxy Champion. Alors, Galaxy Champion et Diamond Horse. Alors, pour toi, lequel est le plus beau? Alors ça, il n'y a pas du tout de question pour moi. Je trouve que c'est vraiment carrément Galaxy Champion. Parce que si vous n'avez pas regardé le tag garder, vendre ou tuer, Galaxy Champion, vraiment, j'avais dit que je ne l'aimais pas du tout, pas trop, voilà quoi. C'est un ancien cheval que je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Voilà, je le trouvais beau à l'époque. Je dis à l'époque, mais ça fait même pas... ça fait 5 mois que je l'ai acheté, voilà. Oui, parce que ça fait à peu près 9 mois que je joue au jeu, voilà. Et ben voilà, c'est Galaxy Champion qui gagne ce tirage. Quatrième tirage.
Alors, Autumn Fly à Sweet Cherry. Autumn Fly à Sweet Cherry. Alors, quelle robe préfères-tu entre les deux? Alors, j'adore la palousa et j'adore le alezan, mais je pense qu'entre les deux, j'aime bien, je préfère quand même la palousa. Je trouve qu'en plus, il a un très beau Appaloosa, Sweet Cherry. Bah, il n'y a pas trop de questions. Je pense que c'est plus Sweet Cherry qui va réussir, on va dire, ce combat. Ce duel, voilà, c'est mieux. Alors, cinquième tirage. Silver Song à Firefly. Il n'y a pas du tout de questions quand je vois ça. Même si je ne sais pas la question, je pense que c'est plus Firefly qui gagne, qui va gagner. Juste si le loulou va gagner. Voilà, Silver Song à Firefly. Firefly, vous le connaissez, hein. Alors, lequel est le plus mignon? Bah moi, je dirais plus que c'est Firefly, hein. Encore, ça va, la bouille de Silver Song, elle est trop mignonne. C'est un ancien modèle, mais quand tu vois le petit Firefly avec son trot et son moyen galop trop beau, je pense que c'est plus Firefly. Allez, sixième tirage. Twilight Lady à Batman. Ça, vraiment, ça va être un tirage très compliqué. Si vous savez, dans le tag Gardez Vendre ou Tuer, les deux ont été choisis par favori. Bah, lequel va être choisi en tout? Ça dépend de la question, bien sûr. On peut jamais juger sans savoir le truc. Et voilà les deux petites beautés qui sont là. Alors, lequel entre les deux préfères-tu? Il n'y a pas trop de questions. Bon, si, quand même, hein. Parce que vraiment, le pur sang anglais, il est hyper beau. C'est-à-dire, mon petit Twilight Lady dit oui. Et Batman, n'imagine pas, il est aussi beau. C'est mon cheval préféré à peu près dans tout le jeu. Et Twilight Lady aussi. Bah, je vous dirais que c'est plus Batman qui va gagner, mais vraiment avec à peu près ça de plus. Ça veut dire pas du tout beaucoup. Allez, on passe au septième tirage. Ou au huitième, je sais plus. Alors, Westeros et Crystal Cake. Ça va être dur, ça. Oh, la petite bouille qui dépasse de Batman. C'est pas mignon, ça, ce petit boudin. Bon, on reprend au tirage. Westeros contre Crystal Cake. Crystal Cake, désolé. Quelle question on pourrait poser sur eux, qu'ils ont à peu près de commun, ou voilà. Lequel... Il y a la plus belle coiffure, on va dire. Alors, faut savoir que le petit loulou, lui, il a des tresses. Et elle a les crins longs, on va dire. Bah, je pense que quand même, ça rend mieux sur Westeros. Et c'est Westeros qui fait le combat. Qui a gagné le duel, plutôt. Prochain duel. Je regarde pas. Voilà. Flowershine contre Blueberry. La petite beauté et l'autre beauté. Deux cheveux de près en plus. Alors, quelle race préfères-tu entre les deux? Le Tinker, on va dire, contre le cheval Jorvikois. Mais c'est un Ambermane. Bah, plutôt l'Ambermane contre le Dorsha. On va dire. Mais si on prend les races, ils ont été faits sur le modèle du cheval Jorvikois et du Tinker. Bah, c'est le cheval Jorvikois qui remporte ce duel. Ça veut dire Fluttershy. Prochain duel entre Grendel et Butterfly. Ce duel, j'ai hâte de savoir qui va gagner.
Mais je pense que ça va être Butterfly. Alors, quelle question c'est? Quelle couleur des yeux préfères-tu? Ah, déjà, s'ils n'ont pas la même couleur, ça serait bien. Alors, yeux bleus, yeux marrons. Ah, déjà là, il n'y a pas de question. C'est Butterfly qui remporte ce duel. Parce que je préfère les yeux bleus. Voilà. Même les deux yeux sont très beaux, mais voilà, je préfère quand même les yeux bleus. Faut préciser. Alors, c'est... Oh là, il nous reste quand même pas mal de papier, je vous avoue. Voilà. Rockstar contre Bobby. Il y aura la différence de taille, hein. C'est sûr, t'as Bobby qui fait 2... T'as Rockstar qui fait 2 km et t'as Bobby qui fait beaucoup moins. Bon, je dis qu'il est 2 km, mais c'est pas 2 km, hein. C'est juste un clé des amis. Si tu regardes quand même la différence de taille contre Bobby et, voilà quoi, contre Rockstar, désolé, vu, tu vois, c'est quand même Rockstar qui gagne, hein, pour la taille. Bon, c'est pas ça notre question, mais on va voir. Notre question, c'est quelle taille tu préfères contre les grands, hein, ou les petits? Alors déjà, il faut savoir que je préfère plutôt les grands, mais Bobby, il est quand même mignon. Mais on va voter pour Rockstar. Avec de la chance. C'est bien ça, toi. Il est trop mignon quand même. Regardez sa petite bouille. Je parle de Rockstar, hein, bien sûr. Hein. Parce que Bobby, c'est pas mon cheval préféré. Hein. Ça va, Rockstar? Mais oui, t'es mignon. Bon, bref, on passe à l'autre tirage. Après, alors, il nous reste combien de tirages? Encore 2 tirages et la vidéo est finie. Oui, je sais. On passe à Great Surprise, encore un clip des dames, vous disiez. Et on passe à Dragonfly. Pas du tout la même taille, hein. Dragonfly, la frisonne, qui est quand même grande. Et Grand Surprise, encore un clic des ailes, vous allez vous dire. Quelle génération préfères-tu entre les deux? On va dire quel modèle. Voilà, quel modèle préfères-tu entre les deux? Pas quelle génération. Alors, quel modèle? Vraiment, j'adore le modèle du frison. Mais j'adore aussi lui du clic des ailes. Bah, je te dirais quand même que je préfère lui du frison. Parce que les crins sont animés quand même. Que le clé des ailes, non. Mais c'est le frison qui gagne ce duel. Pauvre clé des ailes. Et on passe au dernier duel qui va être un peu ouf. J'espère. Hein. Je te promets rien. C'est Cookie Disco contre... Ah, j'ai perdu le papier. Améthystora. C'est pas le duel ouf que je parlais, on va dire. Améthystora contre... Contre Cookie Disco. Cookie, si vous voulez avoir une description plus claire, Améthyste contre Cookie. C'est deux robes quand même assez originales. J'aime bien ça. Entre les deux, tu préfères les chevaux ou les poneys contre le modèle? Sérieusement, je préfère le poney. Ouh, portable tombé. Et sur l'ordi. Je préfère légèrement le poney contre le cheval. Bon, pour savoir, c'est un quarter horse, hein, contre un Connemara. Mais je préfère largement le modèle du Connemara en poney contre cheval. Alors les gars, cette vidéo est finie. J'espère que vous l'avez bien aimée. Moi, j'ai adoré filmer cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous, ça fait trop trop plaisir. Oui oui, ça fait plaisir. Likez, oui oui, ça fait plaisir aussi. Et partagez les vidéos aussi. Allez, les chatons, bye bye.